Donc voilà le crabe, voilà comment ça se présente. Donc voilà, c'est froid. Vous voyez, ça sort du congélateur, comme vous voyez. Donc là, j'ai mis de l'eau bouillante et salée en fait. Mettez vraiment beaucoup de sel. Voilà, mettez vraiment beaucoup de sel. Et l'eau doit être vraiment bouillante. Donc voilà, j'ai découpé. Maintenant, je viens juste prendre les crabes et mettre dans l'eau bouillante, quoi. Voilà. Je viens mettre dans l'eau bouillante. Par contre, ne couvrez, laissez la marmite ouverte. Par contre, laissez la marmite ouverte. En fait, directement, regardez comment ça change la couleur. Direct, regardez la couleur. Et là, hop. Voilà, ça devient orange. Regardez. Voilà. On laisse bouillir. Plus ça bout, mieux c'est. Voilà. Je vais vous mettre les minutes qu'il faut. Je vais vous l'écrire là. Voilà. Pendant que le crabe est en train de cuire, si votre crabe ne devient pas rose, c'est que c'est pas un crabe. Ça doit absolument devenir rose. Orange, on va dire. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer les ingrédients. Donc, voici les ingrédients dont vous avez besoin. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai sur moi, d'accord? Après, ça, c'est en fonction de vos goûts. Donc, l'oignon, du piment, parce que j'aime quand c'est épicé, en fait. Donc, du poivre noir. Voilà. La tomate concentrée. Pour que ça soit bien rouge, on va dire. J'ai la tomate pelée. Voilà. Qui est juste là. Ça, c'est un mélange de baies. Voilà, il reste juste un peu en plus. Voilà. Ensuite, là, c'est de l'ail que j'ai pris. De l'ail en poudre. Ça se présente comme ça. Ensuite, comment on appelle ça? Du gingembre. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a encore du gingembre, mais en poudre. Là, c'est du gingembre en poudre, voilà. Il reste pas grand-chose. Ensuite, là, j'ai pris un peu de persil, voilà. Donc, là, il y a du persil. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, là, c'est un mélange, en fait, de gingembre, curcuma, voilà. C'est jaune comme ça. Je viens d'apprendre que le truc, il est périmé, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est périmé. Depuis le 28 mai, mais bon, tant pis, on s'en fout. Ensuite, j'ai pris ça, c'est aussi un mélange d'épices. Il y a de l'ail, du piment fort, il y a du sel, enfin voilà, plusieurs épices. Voilà. Et ensuite, j'ai pris ça, c'est le jumbo. C'est le jumbo. Donc là, je suis en train de râper le gingembre, voilà. Donc j'ai mis les crabes ici, voilà, les crabes sont prêts. Du coup, je viens verser de l'huile. Voilà. Donc là, je viens mettre le mélange de tous les ingrédients dans l'huile. Je verse un peu d'eau.
Et donc je viens mettre bah, les crevettes à l'intérieur, voilà, qui sont cuites. Là, je viens couvrir. Donc, comme vous voyez, voilà, c'est cuit. Voilà, il ne reste plus qu'à déguster. Voilà. En plus, je vous avoue que c'est ma première fois que je cuisine le crabe. Voilà, j'ai fait avec le moyen du bord. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Donc si vous aimez des recettes comme ça, en plus il fait chaud, dites-le moi en commentaire, les recettes que vous voulez que je fasse, que ce soit de ma culture, voilà, d'où je viens, dites-le moi en commentaire. Bon appétit !